Bon. En tout cas, mesdames, et ce message s'adresse aux dames. Je vois qu'il y en a beaucoup dans la salle ce soir. Donc, mesdames, si vous avez peur de l'abandon, si vous avez peur de prendre des nions, si vous ne voulez pas de compromission, si vous n'avez pas d'imagination, et si vous ne voulez pas jouer bobonne à la maison, il n'y a qu'une solution. Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont bons, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont fainéants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma. Restez plus sage chez votre papa. Devenez sérieuse chez un bougnard. Élevez des singes, élevez des chats. Levez d'un pâte à l'opéra. Vendez des boîtes de chocolat. Prenez le voile, vous le prenez pas. Dansez à poil pour les gagas. Soyez rameuse, avenue du bois. Mais ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner? Du rouge à lèvres sur son col, du flageolant dans la couronne. Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très vrai se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent la fiche. Quand ils sont durs, ils vous torturent. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Mettez-vous un peu de gala, allez danser à l'Olympia. Changez d'amour quatre fois par mois. Prenez la braise et gardez-la. Cherchez la fraîche sur vos matelas. À 50 ans, ça servira à vous payer.